Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir cette tenue sans codage. Donc c'est une petite tenue avec un gilet vert lime. Pareil pour le pantalon et ça sera des chaussures d'arène. Et vous aurez aussi le petit masque de ski en rappel avec le vert lime. Donc les gars, c'est une tenue sans codage, donc ça veut dire qu'en gros c'est pas une tenue modée qui va vous faire perdre vos tenues. Parce qu'il faut savoir que le codage en fait ça vous fait perdre vos tenues sauvegardées. Mais là ça va pas être le cas. Vous pourrez rajouter un petit parachute ou alors un sac de braquage, c'est vous qui voyez. Si jamais vous voulez rajouter le sac de braquage, je vous mettrai une de mes vidéos en description qui va vous montrer comment avoir le sac de braquage sur vos tenues. Sinon la tenue les gars, elle est pas très longue à faire, en à peu près je dirais 5-10 minutes vous aurez la tenue. En fait elle est vraiment super simple, il y a juste à équiper des habits depuis la boutique. Bref, sinon juste avant de commencer la vidéo les refs, j'aimerais vous parler du site Easy Looting. Donc c'est un site qui va vous permettre d'acheter des services de boost, des paquets modés, des tenues modées et aussi des comptes modés. Donc quand je parle de services de boost, je parle bien sûr d'argent et d'RP que vous pouvez acheter sur le site pour un prix super réduit. Si jamais vous comptez passer une petite commande les gars, n'hésitez pas à utiliser le code promo WhatsUpTeam, ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Aussi les gars, faut savoir que c'est un site 100% fiable. D'ailleurs regardez mon argent, je suis à peu près 80 millions et ça c'est grâce à eux. Aussi les services, ils sont dispo sur toutes les plateformes, donc il y a pour Play, Xbox et PC, il y en a vraiment pour tout le monde. Voilà, donc tous ceux qui auront jeté un petit coup d'œil les gars, sachez que vous êtes des bons, je vous mets le lien du site en description. Et aussi au passage, je vous mets le lien de mon Discord si jamais vous voulez le rejoindre pour trouver des gens avec qui faire des glitches ou des braquages. Ou même si en général vous voulez vous faire des posts sur GTA, n'hésitez pas à le rejoindre. Et sans plus attendre, je vous laisse directement avec la vidéo. Ok, donc les gars, pour commencer, logique, on va se rendre vers un magasin comme d'habitude. Donc n'importe lequel sur la map, les gars, ça peut être vraiment n'importe lequel. Moi par exemple, je me suis rendu à celui-ci. Ensuite, on va directement pouvoir rentrer dedans. Et là, la première étape, c'est qu'on va faire le bas et le haut. Et ensuite, on va pouvoir passer au casque et tout. Enfin, on va faire le glitch de la longue vue pour ajouter les accessoires sur la tête. Mais pour l'instant, on va se concentrer au niveau des habits. Donc, pour commencer, on va pouvoir se rendre vers les pantalons qui sont juste à l'entrée. Une fois dans les pantalons, on va aller dans les pantalons de sport. Et on va équiper le pantalon ample ondulation. Donc, c'est le 45/105. Donc celui-là, je trouve que c'est celui qui va le mieux avec la tenue. Après, si vous avez le jogger noir ou le jogger vert, quoique le vert, c'est pas tout à fait le même vert. Donc ça va pas trop aller. Mais si vous avez le jogger noir, ça peut être pas mal sur la tenue. Mais si vous l'avez pas, n'hésitez pas à mettre le même que je viens d'équiper. Ensuite, on va pouvoir se rendre vers les hauts. Et on va aller dans les hauts polyvalents. Et ensuite, on va équiper le 8ème, donc le haut de combat noir. Donc le 8ème/39. On va toujours rester dans les hauts et on va aller dans les gilets de braquage et équiper le 15ème. Donc le gilet straps, je sais pas comment ça se dit, straps vert. D'ailleurs vous pouvez faire exactement la même tenue mais avec d'autres couleurs comme le bleu, le orange ou le rose ou le jaune. Mais là moi je l'ai fait en vert parce que je trouvais pas d'autres pantalons qui aillent bien là. Le pantalon vert flashy, il était vraiment pas mal sur cette tenue. Mais vous pouvez faire quasiment la même tenue avec les gilets de braquage d'autres couleurs. Donc maintenant on va directement pouvoir passer aux chaussures, donc qui sont ici dans le magasin. On va aller tout en bas pour aller dans les chaussures de guerre d'arène et on va équiper les 39e. Donc les 39/48, c'est les lumineuses noires et vertes. Voilà, c'est celles qui vont vraiment le mieux avec la tenue, avec les petits néons verts en bas. Ça rappelle, ça fait un petit rappel au vert du gilet de braquage. Enfin bref, maintenant on va pouvoir passer aux accessoires. Et là on a juste une paire de gants à équiper, donc ça va être les 9e, ça va être les renforcés noirs. Sinon vous pouvez en mettre d'autres, je crois qu'il y a les cotons, les cotons noirs qui vont bien avec la tenue, il y a aussi les tactiques noires. Enfin tant que c'est des gants noirs les gars, ça va bien aller avec la tenue. Donc là moi j'avais un petit chapeau donc je l'ai enlevé et ensuite on va pouvoir directement venir sauvegarder la tenue. Donc on va se rendre au comptoir et on va la sauvegarder à n'importe quel emplacement. Donc moi je vais l'enregistrer au 6ème emplacement et je vais l'appeler verte, comme ça au moins c'est carré, on s'y repère pour la tenue. Et puis quand c'est fait, on va pouvoir directement se rendre vers le marchand de masques. Donc je vais vous montrer directement où est-ce qu'il est. Il est juste à côté de la plage, il est juste là. Et du coup les refs, je vous retrouve directement quand j'y serai. Alors juste au passage les gars, j'ai oublié de vous dire, il faut acheter des lunettes de sport. Donc ça va être le masque de ski. Donc pour ça on va aller dans les lunettes de sport et on va acheter les 7e, c'est le masque de ski vert. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir venir au marchand de masques. Dès que vous êtes arrivé, on va aller dans les masques. Donc à droite, pas à gauche parce qu'à gauche c'est les chapeaux. Donc une fois qu'on est dans la catégorie de droite, on va pouvoir se rendre vers les passes montagnes. On va aller tout en bas et acheter le dernier, donc la cagoule noire. Une fois que c'est fait, on va pouvoir se rendre vers les chapeaux juste à côté. Et on va venir acheter un casque pare-balles. Donc ça va être le casque pare-balles classique, ça va être le casque pare-balles noir. Donc il est tout en bas, c'est celui-ci.
Donc là, normalement, le casque devrait directement se mettre dessus, mais nous on veut pas, donc on va faire, enfin on va équiper pas de casque. Et là on va venir sauvegarder la tenue juste avec la cagoule. Donc hop, on la re-sauvegarde exactement au même emplacement. Et une fois que vous avez acheté tout ce que je vous ai dit, on va pouvoir se rendre vers une longue vue, donc n'importe laquelle sur la map. Moi je vous conseille d'aller à la plus connue, c'est celle sur le pont. Et du coup les refs je vous retrouve directement quand j'y serai. Là je pense que vous en doutiez, on va faire le glitch de la longue vue. Donc pour ça on va sprinter en spammant la flèche de droite. Et normalement notre perso il devrait être bugué. Donc si c'est bien le cas on va faire pavé tactile longtemps. On va aller dans les styles, dans les accessoires. Et on va venir rééquiper le masque qu'on venait d'acheter. Enfin le casque pardon. Le casque et les lunettes. Donc les deux trucs qu'on a acheté. Une fois qu'on a équipé du coup le casque, on va pouvoir venir équiper la paire de lunettes qu'on a acheté tout à l'heure. Puis quand c'est fait, on va sortir du menu d'interaction et on va s'éloigner de la longue vue. Et normalement, vous allez voir que tout va se fusionner avec la cagoule. Donc si c'est bien le cas, on va pouvoir se rendre vers le marchand de masques juste à côté pour venir sauvegarder la tenue. Donc là, hop, on arrive chez le marchand de masques et on sauvegarde la tenue toujours au même emplacement. Donc moi, c'était le 6e emplacement. Donc les gars, si jamais vous voulez rajouter un parachute, n'hésitez pas. Moi je vous conseille de mettre le parachute tout noir. Ou alors si vous voulez vous pouvez mettre le sac de braquage. Comme je vous ai dit je vous mettrai en description de la vidéo une de mes vidéos qui va vous montrer comment l'avoir. Mais si jamais vous avez la flemme de faire le glitch ou alors que vous y arrivez pas, n'hésitez pas juste à mettre un parachute. Bref en tout cas les refs, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la tenue et de la vidéo en général.